Bonjour, ici Jean-Luc Henry de Révolution Fermentation. Je vous présentais ce que c'est que le Matsoni, aussi appelé yogourt de la mer Caspienne. La mer Caspienne, c'est dans le coin du Caucase, un petit peu nord-est de la Turquie. C'est un yogourt mésophile, dans le sens que ça fermente à température pièce. Pas besoin de yourtière, ni de chauffer, même au contraire, faut pas le faire. Tout ce que vous avez besoin de faire, c'est prendre la petite capsule, vous les mettez dans le lait, 1 litre ou 2 litres de lait, vous secouez bien, et le lendemain, 24 heures plus tard, 48 heures plus tard à peu près, surtout les premières fois, vous avez du yogourt qui est prêt à boire. Et ce yogourt-là, ce qui est vraiment le fun, comme avec tous les yogourts, vous pouvez ensemencer du lait avec le yogourt. Donc vous prenez une première cuillère propre, vous la mettez dans le lait et cette batch-là sera pour votre le lendemain ou le surlendemain. Et là, vous pouvez manger votre yogourt comme ça. C'est vraiment super bon, très facile à faire. En fait, n'importe qui est capable de faire ça. Donc, bonne fermentation, bon Matsoni, bon yogourt mésophile traditionnel.